très heureux d'avoir avec nous Monsieur le secrétaire d'État, Cédric O. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a démarré cette journée sur les chapeaux de roue, avec beaucoup de tendances évidemment annoncées lors du CES, mais aussi depuis les quatre coins de la France cette année, parce que, comme vous le savez, l'édition du CES est en ligne. Le CES, c'est un événement auquel la France a chaque année montré sa présence et son engagement pour présenter au monde ses meilleures innovations hardware ou software. Donc, dans le cadre de cette édition un peu spéciale, le Hub Institute, qui accompagne les acteurs de l'économie française, a voulu être présent d'une manière un peu originale en organisant cette semaine de l'innovation, cette Innovation Week, pour essayer là encore de promouvoir l'écosystème français. Et donc, en propos introductif, je voulais vous proposer justement de partager un petit peu ce point de vue avec nous. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est si on prend le moment qui, je pense, était le moment fondateur de la France avec le CIS, c'était 2014-2015, quand on s'est aperçu que la délégation française était la deuxième la plus nombreuse. Et là, en fait, c'était assez drôle parce que c'est apparu aux yeux des Français, d'abord, qu'ils savaient faire des choses et qu'ils n'étaient pas nulle part sur la carte de l'innovation. Et par ailleurs, aux yeux du monde entier, que la France n'était pas nulle part sur la carte de l'innovation. Mais si on regarde les chiffres, par exemple, des montants investis dans les startups françaises entre cette époque-là et maintenant, on a multiplié par 4 les montants investis dans les startups françaises. Donc ça montre le chemin parcouru. Et cette année est un peu particulière. Il y a eu la publication des chiffres qui font référence de EY France hier. Tout à fait. Ils disent que la France, pour la première fois de son histoire, l'écosystème français, est le premier écosystème en termes d'argent levé dans l'Union européenne. Là, encore un peu derrière les Britanniques. Mais donc, ça montre voilà, tout ce que ça représente dans une période qui est un peu compliquée, où l'économie va pas très bien suite à la crise de la Covid-19. C'est aussi un message d'espoir, parce que je pense qu'il faut assumer le fait que la France, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est aussi ce pays qui est l'un des plus innovants d'Europe et produit un écosystème d'une énergie, d'une créativité qui crée des emplois qu'on a assez peu ailleurs. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup aussi d'innovations cette année qui sont à disposition du coup de ces acteurs de l'innovation. On pense particulièrement à la 5G, la 5G qui est en cours de déploiement. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que nous on avait vu au moment du lancement de la 4G beaucoup de start-up et de grands groupes se positionner sur des innovations pour aller proposer de nouveaux services, de nouvelles expériences. Est-ce que du coup la 5G n'est pas aussi une opportunité pour l'écosystème innovant français de se positionner et d'offrir de nouveaux services et de créer de la valeur? Je pense que si on veut prendre la mesure de l'importance de ce qui est en jeu avec la 5G, c'est qu'il faut se dire que la puissance des GAFA, c'est-à-dire la puissance de Google, Facebook, etc., n'existerait pas sans la 4G. Parce que la puissance des GAFA est liée à l'émergence du téléphone portable, de la connexion continue et du bon débit. Sans la 4G, sans ce smartphone, mais vous n'auriez pas la même puissance de Facebook, de Google, puisque tout ça, les usages naissent de la technologie. Et donc, si on veut demain faire en sorte que les startups françaises, les entreprises françaises, soient les meilleurs acteurs du monde, mais on ne peut pas prendre de retard sur la maîtrise de la technologie. C'est comme si on disait aux GAFA, on avait dit aux GAFA, bon, en fait, bon, la 4G, bon, c'est bien, mais en fait, vous l'aurez dans 5 ans. Mais avec tout ce qui se joue dans cette économie en quelques années, voilà. Non seulement c'est un facteur, c'est une opportunité de développement de nouveaux services, on ne connaît pas le dixième de ce à quoi va servir la 5G. On sait que ça peut être révolutionnaire. Alors, c'est vrai qu'au Hub Institute, on travaille aussi sur la notion des territoires et cette transformation, cet accompagnement des territoires. Je sais que vous y êtes très attaché avec l'inauguration, effectivement, de beaucoup de lieux d'innovation en France. Est-ce que vous pourriez nous partager un petit peu le retour que vous avez eu de tous ces déplacements et de montrer un peu le dynamisme qu'on a dans nos régions, montrer que tout n'est pas concentré à Paris, hein, comme on le dit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le cadre des startups qui sont intervenues, on aura l'occasion ces deux prochains jours, on a beaucoup de startups qui viennent un peu partout en France, il faut s'en féliciter. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous témoigner un petit peu de le retour de vos différents déplacements? Non, ce qui me marque, là, j'ai eu l'occasion de me déplacer beaucoup en France ces derniers mois, c'est que le phénomène startup et le phénomène numérique n'est plus un phénomène que parisien, ni même que métropolitain. Mmh. On le voit, j'étais dernièrement à Angers, j'étais à Saint-Étienne, et vous avez des écosystèmes numériques d'entreprises extrêmement innovantes, extrêmement intéressantes partout en France. Et vous le voyez d'ailleurs de manière un peu plus quantitative. Quand on regarde les entreprises du French Tech 120, donc ce fameux classement qu'on a publié l'année dernière, qu'on va réactualiser dans quelques semaines, d'abord vous en avez un tiers qui est en région. Et puis ensuite, vous avez des super boîtes comme iAdvise à Nantes, vous avez Ledger à Vierzon, Keranova à Saint-Etienne, Ubitransport à Mâcon, à Firenne dans l'est de la France, Insect va s'implanter dans la banlieue d'Amiens, ainsi qu'Innovafit. Donc
C'est plus un sujet uniquement parisien, c'est une excellente chose. D'abord parce que ça montre que ça irrigue l'ensemble des territoires, ça crée de l'emploi partout en France, et ça contribue aussi, je pense que c'est extrêmement important, à l'acceptation des start-up par l'ensemble des Français. Il y a parfois un peu un mouvement de réaction. C'est-à-dire, bah, les startups, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas finalement que des gens en Stan Smith qui sont à Station F? Non. Il y en a partout en France, et je pense que c'est extrêmement important. Alors, on a eu l'occasion en fin d'année d'organiser notre conférence Sustainable Paris, à l'occasion duquel on a fait intervenir des acteurs de l'industrie avec le mouvement Le Métis, des entreprises intermédiaires. Passons maintenant du coup aux entreprises qui ont réussi à scaler, et on aura l'occasion demain l'intervention du coup du président de Miracle. C'est intéressant aussi ce nouveau CAC 40 quelque part que vous avez introduit, que vous avez poussé, de voir qu'en France aussi, on peut aller jusqu'au niveau licorne. Ce qu'on nous a reproché pendant un certain temps, est-ce que vous pourriez un peu témoigner cette capacité aussi à scaler, parce que parfois on met en doute cette capacité alors que non, en fait, les résultats sont là. Oui, un chiffre pour cela, on parlait tout à l'heure, j'évoquais les chiffres depuis 2014, un autre chiffre qui est assez simple, quand nous on est arrivé en fonction, donc en 2017, je crois que nous n'avions que 4 licornes en France. Aujourd'hui, on en a 10, la dernière étant effectivement Miracle, très gros espoir de l'économie française. Donc il y en a eu 6, 3 l'année dernière, on en aura encore dans les années qui viennent, à tel point que le sujet n'est pas vraiment de faire des licornes en fait. Maintenant, le sujet, c'est de faire des entreprises, des boîtes qui valent 10, 20, 50 milliards d'euros. Et honnêtement, je suis extrêmement confiant. Je pense que tout ce que l'on voit autour de nous, le développement de l'écosystème, les effets de réseau qui en résultent, nous laisse penser qu'on va bientôt voir émerger des très grandes entreprises du numérique. J'espère que cette année, on aura la première IPO de la French Tech au-dessus d'un milliard d'euros depuis longtemps à Paris. Et je pense que ça sera là aussi extrêmement symbolique, peut-être le symbole le plus fort des derniers mois, voire des dernières années, cette IPO de la French Tech qui ouvre, je l'espère, la voie à de très nombreux autres IPO. Je rappelle que quand même, si on regarde l'histoire, depuis 1997, on a eu 2 IPO seulement de boîtes tech de plus d'un milliard d'euros sur la place de Paris. C'est pas beaucoup quand on regarde l'étranger. Et donc, il faut qu'on arrive à bridger le gap, donc à rattraper notre retard. Merci beaucoup pour ces éléments. Alors, c'est vrai que cette année est un peu spéciale, hein, a montré à quel point les enjeux de l'environnement et du sens devenaient prépondérants. Et c'est intéressant de voir comment ça a généré et encouragé le développement de tout un tissu de start-up. C'est toute cette tech for good qui est en train de se développer. Donc nous, on a pu l'accompagner, engager, les faire témoigner ici, il y a encore quelques semaines. Comment un peu vous voyez un peu l'émergence de cet écosystème et comment vous comptez l'accompagner comme vous avez accompagné les start-up digitales du début? Je pense qu'il y a une marque particulière des entrepreneurs européens en général et français en particulier, qui est leur rapport à leur impact. Et d'ailleurs, quand vous parlez aux salariés, aux entrepreneurs, ils ont tous en tête la question de leur impact in fine. Dans les boîtes qui sont fort impact, comme on dit, c'est-à-dire dans celles qui ont ça dans leur objet social, hein, on pense, là, je sais que vous recevrez Medadom tout à l'heure, on en parlait, on peut penser à des boîtes comme Insect, comme évidemment Phoenix ou Too Good To Go, donc dans ces entreprises-là, mais également dans les autres entreprises plus traditionnelles, je pense à Alan ou Back Market, dans ce qu'ils ont fait, par exemple, pour le congé paternité, on voit que la question de l'impact sociétal est vraiment au cœur de l'engagement des entrepreneurs et des salariés. Nous, c'est quelque chose qu'on veut pousser. D'abord parce qu'on a des défis environnementaux et sociétaux face à nous qui sont extrêmement forts. Et puis parce que si on veut pouvoir vendre cet avenir-là aux Français et faire en sorte qu'il y ait une acceptabilité de l'écosystème des startups, on doit leur promettre d'une certaine manière que la nouvelle économie ne va pas complètement réitérer les erreurs de la dernière. Et donc, on doit faire en sorte de travailler sur cet impact de l'écosystème. Alors, c'est vrai qu'on est tous en train de préparer la relance économique, chacun à son niveau. Au Web Institute, on a lancé tout un concept autour de la Next Economy, l'idée d'associer l'économie digitale qu'on a et qu'on accompagne depuis 20 ans avec l'économie sustain qu'on essaie de suivre depuis 10 ans. L'association des deux fait émerger ce que vous évoquiez il y a quelques instants. La question, rapidement, ça va être comment on va pouvoir valoriser et évaluer des entreprises qui peut-être feront moins de marge, moins de chiffre d'affaires, mais auront un impact meilleur. Donc il y a aussi une question là-dessus d'évaluation européenne. Est-ce que c'est des sujets que vous commencez à évoquer avec vos partenaires, avec les partenaires européens, pour que la France soit un peu on track et que assez tôt
on se positionne sur ces sujets pour ne pas dépendre peut-être de normes anglo-saxonnes ou de normes asiatiques. Ouais, c'est un sujet extrêmement intéressant. Alors, c'est un sujet qui monte un peu de partout. J'ai eu l'occasion, lors des universités d'été du MOOV, donc vous savez, le mouvement des entrepreneurs engagés, d'évoquer le sujet, notamment dans la relation de la BPI à ce genre d'évaluation. J'en discutais avec le fonds d'investissement Ring il n'y a pas très longtemps, qui eux ont une typologie d'évaluation. À ce stade, il y a des discussions, en tout cas il y a quelque chose qui émerge au niveau européen. Je pense que la question, c'est de créer une espèce de standard. Et donc il faut que les choses mûrissent encore, je pense qu'elles ne le sont pas totalement. Mais c'est indispensable parce que ce qu'on voit, c'est que cette question de l'impact, elle est également extrêmement importante pour les investisseurs. Et je parlais avec Paul-François Fournier, donc le patron d'innovation à la BPI il n'y a pas très longtemps, qui me disait, mais même moi, pour mes gars dans mes équipes, ils cherchent l'impact. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une manière d'estimer ces éléments-là. Bien évidemment, les indicateurs financiers, les indicateurs de performance resteront extrêmement importants parce qu'on peut tenir ce discours-là si on reste innovant et si on reste extrêmement bon. Mais la question de l'impact va devenir de plus en plus importante. C'est quelque chose dont on veut se saisir dans les mois qui viennent. Alors, pour conclure, comme on a effectivement tous ces internautes qui sont connectés et qui vont du coup être dans la relance, est-ce que vous auriez un message un peu personnel en vous adressant à eux pour essayer quelque part de se préparer à la relance? Ça va être une année un peu de recovery pour tous. Qu'est-ce que vous pourriez un peu leur partager? Je vous laisse... Oui, je pense que le sujet qui est extrêmement important à la fois pour les entrepreneurs et pour ceux qui envisagent d'aller dans les startups, c'est que les crises sont évidemment des moments de difficulté, mais c'est aussi des moments d'opportunité et où se dessine le monde d'après. On l'a vu en 2008-2009, les États-Unis ont tiré parti de la crise d'une certaine manière pour rebondir et dominer le monde technologique. Et c'est une marche, en quelque sorte, que l'Europe a ratée. Nous, on ne veut pas rater cette marche. C'est pour ça que le gouvernement a d'abord amorti le choc pour les startups. C'est pour ça qu'on a investi énormément d'argent dans la question des startups et de l'innovation dans le cadre du plan de relance. Parce que, comme disait Winston Churchill, « Never waste a good crisis ». C'est le moment, c'est maintenant que les positions se prennent, c'est maintenant qu'on doit entreprendre et innover. Il y a énormément d'opportunités partout en France. Donc j'invite tous celles et tous ceux qui nous écoutent d'abord à prendre leurs risques et puis à rejoindre cet écosystème, parce que si on réussira, ça dépendra d'une seule chose, c'est de la qualité des femmes et des hommes qui le composent. C'est vraiment un écosystème qui est extrêmement dépendant de l'intelligence humaine, et donc on a besoin de la bonne volonté et de l'intelligence de tout le monde. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été présent dans le cadre de cette première journée. On vous retrouve demain, du coup, à 15h, avec en ouverture Philippe Courreau, président de Miracle, qui nous expliquera en 5 points comment passer d'une licorne en moins de 8 ans. Voilà. Merci à tous. Soyez connectés demain à 15h.